Salut la famille, c'est Akina sur le front médiatique et nous sommes le mardi 9 mars 2021 et je suis heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de la série Penseurs hétérodoxes. Et pour ce 9e épisode, nous avons la chance et l'honneur vraiment sur le front médiatique d'accueillir Madame Annie Lacroix-Rize. Bonjour Annie. Bonjour à tous, bonjour Akina. Vous allez bien? Très bien, merci. Merci à vous d'avoir donc accueilli notre invitation. Donc je rappelle pour les internautes qui ne vous connaissent pas ou peu que vous êtes historienne française, professeure émérite d'histoire contemporaine à l'Université Paris 7, Denis Diderot. Vous êtes ancienne élève de l'École normale supérieure. Vous avez aussi un doctorat en lettres. Vous êtes spécialiste des relations internationales dans la première moitié du XXe siècle et de la collaboration. Vous avez notamment écrit sur l'histoire politique, économique et sociale de la Troisième République et du régime de Vichy, sur la collaboration pendant la Seconde Guerre mondiale, sur les relations entre le Vatican et l'Allemagne nazie, ainsi que sur la stratégie... Pas seulement nazie, hein. Tout à fait. Le Vatican et l'Allemagne depuis la fin du 19e siècle. Voilà. D'accord. Pas seulement les nazis. Merci pour la précision, ainsi que sur la stratégie des élites politiques et économiques françaises avant et après le conflit mondial. Vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages de référence hein, sur cette période. On peut citer, par exemple, « Industriel et banquier français sous l'occupation », sorti en 1999. L'histoire contemporaine… 2013, parce qu'il a été réédité. Presque entièrement refait en 2013. D'accord. Il n'avait d'ailleurs plus de sous-titres. Il avait un sous-titre, il n'en a plus. Merci pour cette précision. L'histoire contemporaine sous influence aussi en 2004, qui est une des raisons aussi pour lesquelles on vous fait venir. 2012, parce qu'il y a eu une première édition et il y a eu ensuite une deuxième édition qui s'appelle Toujours sous influence. Et d'ailleurs, si j'en faisais une autre, il faudrait que je retrouve un autre titre. Ça ne s'est pas arrangé, ça s'est plutôt aggravé. D'où l'intérêt de vous accueillir aujourd'hui pour nous partager ce regard, un regard hétérodoxe sur l'histoire. Le choix de la défaite, un livre des plus connus que vous avez écrit donc, sur les élites françaises dans les années 30, sorti en 2009, un gros pavé. Aussi, on peut citer… vous avez, 2006, réédition 2010. D'accord, waouh. J'ai plein de précisions et merci pour vous. Hein. J'ai essayé de faire la préparation comme je pouvais. Et aussi, c'est vous êtes très grave, donc, hein. Heureusement, quand même, que je. Voilà, c'est quand même sympa que je me rappelle la date des livres. Vous avez aussi travaillé sur le syndicalisme, hein, déjà à la fin de votre formation, de vos études, mais aussi plus récemment avec, par exemple, Scission syndicale, réformisme et impérialisme dominant, de 1939 à 1949, sorti en 2015. Oui, alors il a été refait et complété, très complété, puisqu'il y a d'autres communications que celle de 2015, et il a été profondément remanié. Il est paru en 2020 chez Delga. Donc, l'autre n'existe plus. Il a d'ailleurs cessé d'exister très vite, et je l'ai refait, complété, voilà. Et par conséquent, c'est un ouvrage récent. Et on peut rappeler un des derniers ouvrages que vous avez édité, qui est autour de la non-épuration en France, de 1943 aux années 50, qui est sorti en 2019, pour ne citer que. Je rappelais que vous êtes l'auteur d'une quinzaine d'ouvrages, en plus avec des rééditions, des versions augmentées, voire parfaites, des fois quasiment totalement réécrites. Oui, mais c'est pas d'industriel les banquiers français. Les autres, ce sont des rééditions. Remanié, par exemple le Vatican, l'Europe et le Reich, parce que entre 96 et l'année de réédition, c'est-à-dire 2010, énormément de choses avaient été publiées sur le Vatican et en particulier sur le Vatican dans la Deuxième Guerre mondiale, d'une part, et dans ce que j'appelle l'exfiltration, recyclage des criminels de guerre. Et c'était des données tellement, tellement importantes. Moi-même, j'avais fait des recherches complémentaires que là, sur ce plan, l'ouvrage avait été vraiment pas sensiblement pour les autres chapitres, mais tout ce qui concernait la Deuxième Guerre mondiale et les lendemains de la Deuxième Guerre mondiale, oui, avait été profondément remanié. De toute façon, une réédition, si elle n'est pas remaniée, n'a aucun intérêt. Hein.
Je peux aussi, on peut vous retrouver sur la toile. Hein. J'ai eu la chance de regarder de nombreuses conférences passionnantes de vous, donc pour mieux comprendre l'histoire et ainsi mieux comprendre les enjeux actuels. Je rappelle que la série Penseurs hétérodoxes, dans laquelle on vous accueille sur le front médiatique, a la volonté de valoriser des regards divergents sur notre monde contemporain. Les intellectuels interviewés s'écartent de la doctrine officielle et du dogme dominant en vigueur. Face à la pensée unique, c'est un appel à la liberté de penser. Donc, en préparant cette émission avec vous, on s'est rendu compte donc de la densité des sujets qu'on voulait approfondir à travers nos entretiens. Et donc, on a convenu de faire plusieurs émissions ensemble pour pouvoir aborder de manière chronologique et accessible, donc rendre accessible au grand public qui est plutôt comme moi, assez novice en termes de culture générale sur l'histoire, ou en tout cas avec un regard assez académique à travers les manuels d'histoire qui ont évidemment bien plein de limites. Et donc, on va s'intéresser dans ce premier épisode, on pourrait dire, de nos échanges. On aura l'occasion donc de se retrouver dans les prochains mois. On va s'intéresser principalement sur l'entre-deux-guerres. Avec un petit bilan de la première guerre et sur ses raisons, et on s'arrêtera au cours des années 30. Et donc, on fera d'autres émissions précisément sur l'avant-seconde guerre mondiale, sur la seconde guerre mondiale et sur l'après-seconde guerre mondiale. Donc, on aura l'occasion de se retrouver à trois ou quatre reprises au cours des prochains mois pour pouvoir approfondir et populariser vos travaux qui sont malheureusement trop peu accessibles et trop peu connus, selon nous, par le grand public. Donc, pour commencer, tout d'abord, avant de rentrer précisément dans le sujet de notre émission, ça peut être intéressant, tout d'abord, de vous poser des questions un peu plus générales sur votre travail d'historienne. Et déjà, une des raisons qui fait qu'on vous invite aujourd'hui, c'est le fait que vous êtes assez peu invité dans les médias traditionnels, malgré votre parcours qui n'est plus à démontrer et vos compétences aussi. Vous avez fait quand même un travail colossal d'historienne au cours des 50 dernières années. Comment vous justifiez le fait que vous êtes quasiment invisible dans les médias dominants, comme on pourrait dire ?